Bonjour, bienvenue sur un nouvel épisode dédié à Captain of Industry. Comme vous voyez, on est là, c'est que j'ai réussi à récupérer à peu près la situation. Donc j'ai mis des priorités un peu partout, le temps que les trucs pas critiques ne tournent pas, et on a réussi à relancer un petit peu la machine comme ça. On a toujours des gros problèmes d'unité, donc on va essayer de... Donc déjà ça on peut l'enlever parce que... plein. C'est pas ça qui nous comptait de la... De l'unité. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, donc ça on peut pas trop s'en passer. On va enlever ça. On va mettre un peu, mais bon, tant pis. Et comme ça on devrait commencer à récupérer un peu les trucs qui vont bien. Alors, on a encore des trucs quand même pas fou. Bon là on est en train de refaire des stocks, je crois, de graines. Donc ça c'est bon. C'est pas un problème. Les mining stations, on s'en fout. Ici, on manque toujours d'acier pour les médocs. Donc ça, ouais, c'est embêtant. On essaie quand même de le faire bouger un peu parce que si je me reprends une maladie, ça peut retrigger, redéclencher une catastrophe. Donc, dans le doute, on va y aller tranquille. Non, ok, des trucs qui se ferment, c'est cool. Là, on manque un peu d'hydrogène. Bon, bah ça, c'est la vie, hein, tant pis. Hydrogène, on en fait par exemple par là, ça, tout ça, ça tourne. Ouais, bon, voilà, ça va se faire petit à petit. Pire, faudra augmenter un petit peu la prio si jamais il y a besoin. On manque un petit peu de cuivre, mais bon, ça voilà, c'est en cours de. Non, c'est pas du tout du cuivre. Hop. Ah oui, celui-là il est en P9, c'est pas ouf ouf. Quand même faire en sorte qu'on ne manque pas de cuivre, sinon ce serait dommage. On manque de sable un peu partout. Un peu moins, bon bah c'est que ça commence à se refaire un petit peu. Là j'imagine qu'on a les stocks, c'est bon, c'est juste les quantités, voilà, oui, c'est juste le temps d'amener les choses, de retrouver des camions et tout et tout. Mais bon, là on a l'air d'être quand même un peu près stable, donc ça c'est cool. On va pouvoir essayer de reprendre un petit peu nos délires et limiter encore un petit peu l'utilisation des camions où on le peut, comme ça ce sera on sera plutôt tranquille. Par exemple là je passerai bien à nouveau l'eau ici, comme ça, on pourrait l'amener pour le pain. Comme ça fera un truc de moins encore à livrer. Je sais pas si on voit d'ailleurs, tiens, le hop, Natix, voilà. Voilà, on voit que l'eau déjà on en trimballe beaucoup moins, donc ça fait plaisir. Ça réduit un peu les choses, et on va essayer comme ça d'éliminer encore 2-3 petits trucs où c'est possible pour essayer de gagner un peu de temps. Par exemple, donc, on veut. Tac, ici on va avoir besoin d'un pont hein, de toute façon. Tac, on va mettre un moyen parce que on est fou. Voilà. Tac. On verra un peu. Là potentiellement on peut-être passer l'éthanol directement ici. Comme ça on gagnera ça aussi. Est-ce qu'on a besoin. Il y a un autre endroit, on a besoin de plastique aussi. Donc à la limite ça je pourrais vite le bifurquer et le ramener là. Ça sera simple aussi. On pourrait faire passer les bactéries aussi directement là. Si on les extrait ici, là, paf, paf, paf. On peut les emmener là et comme ça on n'a plus besoin de camions pour ça. Bon, même si c'est pas des gros trajets, surtout c'est de gagner. Si on amène de l'acier jusque là, on pourra l'amener ici et ici. Donc ça fera toujours un peu moins de trucs à bouger. Ce qui peut être pas mal. Là, bah, du coup, ce truc-là, au final, maintenant, ça aurait été limite plus malin de l'avoir ici. On manque un peu de place. Voir tout caler, je pense, hein. On est d'accord. Tac. Ouais, on manque un peu de place. Dommage. Alors, il faudrait que je rempote tout ça pour que ça puisse vraiment aider. On a aussi ici la construction. Oh, oui, voilà, c'est juste les panneaux solaires, donc on s'en fout un peu. Ça, bon, on va le laisser comme ça, ouais. On va déjà essayer de faire ça comme ça, puis on va bien voir comment ça se passe. Donc là, on a notre. Magnifique pont qui va. Donc on va construire hein, comme ça on s'embête pas. Tac. Ici, on va passer notre tuyau comme ça. On est content. Tac. Encore un cran. Voilà. Et là, bah, l'idée, ce serait de bah, bim directement de l'amener là, et comme ça, je vais pouvoir démonter un peu tout ça. Donc là, pareil, il va nous falloir des ponts de toute façon pour traverser un peu cette zone. Ouais, bah, à la limite, on va peut-être même aller réinsérer de l'eau d'ici. Potentiellement, on pourrait se permettre de faire ça. Bon, je sais pas si on y gagnerait grand-chose à le faire, mais bon, on pourrait.
techniquement. Alors déjà, je vais faire une petite comparaison des ponts, parce que je me pose la question, est-ce qu'ils ont tous la même largeur? Oui, la largeur, c'est la même, c'est juste la longueur qui est pas la même. Ok, très bien. Ça me va. Du coup, on va pouvoir se le caler là, lui. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se marquer avec des surfaces où on en est, comme ça, on s'y retrouvera un peu mieux pour l'alignement plus tard. Tac, voilà. Ça va là. Bam. Ça, on comprend un peu mieux les choses. Hop, là on pourrait le marquer aussi pour la forme, voilà. Bim. Si on pourrait en rajouter, mais c'est pas critique. Là on a bien déboîté, hein, donc je crois qu'on voulait commencer à mettre le traitement des métaux ici. Je sais même plus déjà ce qu'on voulait faire là. Mais on a fait de la place. Au moins c'est bien. Bien tranquille. Réactiver maintenant. Mais hop. Est-ce que je veux continuer à creuser un peu là-dedans? Oui, on peut peut-être en remettre encore un peu par là. Allez, soyons fous. Non, par contre, je voudrais du plat. Merci. Tac. Allez. Comme ça, là, on aura vraiment la place dont on a besoin pour faire des gros trucs. Pendant ce temps-là, je sais même pas au final si on a un peu avancé les fusées ou ici. On a fini la construction de la fusée elle-même. Et maintenant, il va falloir passer à la construction de l'autre bâtiment. Donc ça, on va pouvoir attendre un petit peu. Ici, ça c'est bon. C'est juste ça se fait pas livrer, j'imagine. Mais à part ça, celui-là c'est livré. Ok. C'est quoi qui va pas? Il y a un endroit où ça manque d'eau. Bon, comment ça? Là, l'eau, on est bien. Hein. Ok, alors pourquoi? Oui, non, là on manque d'eau quand même, oui, tout à fait. Ok, bon, bah, je vais en ramener un petit peu aussi avec le tuyau qu'on a fait passer, comme ça on s'embête plus. Alors je réactive ça aussi, accessoirement. C'est de le dire s'il manquait de l'eau. C'est dommage qu'on puisse pas mettre d'alerte là-dessus, ouais. A besoin de 226 maintenant. Ah oui, donc c'est assez énervé. Ok, hop. Bon, on va booster un peu là. Ça, du coup, on va pouvoir booster aussi un peu là. Tac. Voilà, comme ça. Ok, ça refait les stocks. Ça relance mon unité. C'est plutôt pas mal. Et si jamais on arrive à restocker aussi les hôpitaux, on devrait être plutôt bien. On va pouvoir remettre l'économie debout. Tac. Après, on pourra peut-être remettre un de ces trucs-là. On verra. Donc, on disait qu'on est en train de finir ça. Je mets mon truc là. Bam. Je vais construire le tuyau qui va bien. Voilà. Voilà, comme ça déjà, ça va être fait. Donc ça, on peut enlever. Tac. On va juste construire ça. Ce sera très bien. Je vais pas utiliser mon unité comme ça, mais c'est pas grave. Hop. Voilà, et comme ça, je vais pouvoir démonter ce truc-là. Ah oui, alors non, en fait, je vais attendre. Hop, 2 secondes. J'ai rien dit. Hop, on va vouloir attendre que ça se vide déjà. On veut juste qu'il se passe quoi que ce soit, le temps que ça soit utilisé. Ok, bon, il y a des trucs là qui galèrent à avoir assez d'eau, visiblement. J'imagine que c'est parce que les tuyaux ne sont pas assez énervés. Bah, pourtant, là, c'est bon, ils sont. Ah non, irrigation tank, c'est juste asset, ouais. Donc, on va quand même booster un peu. Les tuyaux, comme ça on sera sûr. Tac, voilà, comme ça normalement, ça devrait leur permettre
d'avoir assez d'eau pour tout le monde et de faire pousser à peu près n'importe quoi. Ok, il y a une mine qui est terminée. Ah oui, c'est celle-là. Ok. Bon, est-ce que je redescends encore d'un cran? Là, ça va commencer à être compliqué de creuser. Ou alors, faut que je... Bah oui, non, je peux pas vraiment changer cette pente. Alors si, je peux la décaler un petit peu sur le côté. Et la décaler un peu dans la longueur. Histoire de dire. Hop. On va voir ça. Donc si on veut creuser, hop, en descente. J'aimerais bien essayer de gratter un ou deux. Ouais, juste un, je pense qu'on pourra pas faire beaucoup mieux. Voilà. Ouais, à la limite, là, on va pas s'embêter ici, tant pis. Et là, comme ça, on peut aller à 10. Et là, du coup, on peut se faire, on peut se retrouver comment? Problème d'aller à 10, c'est qu'on se, on a un, on se retrouve avec un truc cohérent que ici, quoi. On va déjà descendre à 10, hein, ça sera toujours ça de prix. Voilà. Hop. Du coup, il va vite falloir aussi remettre ici, sinon ça va pas marcher. La tac. Voilà. 9 et 10. Bim, bim. Et bim. Voilà, comme ça. On devrait pouvoir s'y retrouver et après on pourra continuer à creuser. Non. Non, 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 10 en fait, c'est très bien. Voilà. Oh mince, là il me l'a cassé. Ok, c'est bon là comme ça. On a l'air pas mal là. Hop. Ça, on va l'enlever, comme ça on sera tranquille. Ça a été pas mal rebouché, donc on pourra l'enlever. Voilà, ça va avancer tranquillement. Il y a un... Ok, il sert absolument rien ici. Ok, lui il est perdu, qu'est-ce qui lui arrive? Tu veux aller où, mon grand? Pas clair. Clair, pas clair. Pas bien ce dont il a besoin, mais bon. Comme si de rien n'était. On manque toujours un peu de sable là, oui, donc ça c'est embêtant. Il va me falloir un peu plus de conviction que ça, les gars. Puis bah, si ça tourne bien, après on peut relancer les labos, parce que du coup les labos, eux, tout tourne en local, donc il n'y a pas besoin de camions particulièrement. J'ai les travailleurs, donc ouais, allons-y. Finissons ça comme ça, on va être tranquille. Hop, hop, hop. Voilà. Ça va tourner. Là-bas, ça se vide du coup ou pas? Toujours pas. À la limite, on va faire ça comme ça. Ça va aider un petit peu. Ah, mais depuis tout à l'heure, j'ai. En fait, j'ai pas fini, il était pas fini. Bon, tant pis. J'ai complètement bloqué ma production de pain. Bon, tant pis. Hop. D'ailleurs, tiens, les poulets, comment ils vont pendant ce temps-là? Ils sont repartis un petit peu ou pas? Ouais, ça a l'air de marcher. On a l'air d'avoir du stock, donc on va pouvoir relancer pas mal de monde. Hop, c'est parti. Ça va consommer tout cet animal feed et ça va nous permettre de relancer un peu plus de bouffe aussi. Normalement, ça devrait bientôt être bon. Parce que après, la production de pain est assez minime en fait. Après, on pourrait aussi se continuer à se faire des trucs ici hein, pour caler un peu les choses différemment. Hop, lui, c'est bon, il a une alerte. Donc, normalement, il devrait toujours avoir au moins du pain. Déjà, ça te prie. Qu'est-ce qu'il fait? Oui, là, ça on va le construire parce que sinon ils vont un peu galérer les pauvres. Ok. Décidément, ça va.
Oui, tiens. Là, c'est pareil, on a un truc avec le pain, yes, donc ça c'est bon. On a même presque plus d'alerte, c'est magnifique. Ah, il y a le méga excavator, qu'est-ce qui lui arrive? Ça, on s'en fout un petit peu en fait. Hop, au besoin. Donc là, j'imagine qu'il est en train de me dire que c'est bon, il a creusé partout où il pouvait, quoi, c'est ça le problème. Et oui. Moi, j'ai un petit décalage avec ce truc-là, mais sinon, on était bien. Hop, ouais, du coup, ce qu'on va faire. On va nettoyer tout ça pour être un peu tranquille. Hop. Et surtout, on va se mettre à recreuser très vite parce que sinon, le fer va venir à manquer et ça, ce serait dommage. Déjà, on va finir de creuser là-dedans, comme ça, on va voir jusqu'où le fer va. Ça sera beaucoup plus simple comme ça. Tac. Allez, zou. Au boulot. Oui, parce que là, on avait déjà vraiment plus de stock, donc j'ai déjà mis un peu de temps à m'en occuper. Ça ne m'a pas posé problème. Ok, ensuite là, ouais, donc ça va, ça va, ça va. Donc maintenant, ouais, idéalement, ce qu'on voudrait faire, c'est trouver des moyens de réduire encore un peu plus les convoyages, comme ça on serait tranquille. Là, du coup, on peut dire qu'on peut amener de l'eau qui viendrait de par là. Parce que ça, tac, tac, tac. Ouais, bon, on va arrêter ce truc-là. Lui, on est d'accord qu'il met à disposition, yes. Donc, ça, on va dire off, off, il n'y a plus besoin du tout. Qu'est-ce qui lui va pas? Oui, non, ça, hop, on s'en fout. Voilà. Ça fera ça de moins à gérer. Et du coup, ce qu'on peut faire, c'est qu'on amène notre eau et on la ramène ici, comme ça, on est tranquille. On va utiliser. Ah non, parce qu'on veut utiliser d'abord ça, puis ça. Et seulement s'il y a besoin, rempoter. Donc, en fait, l'eau, faudrait l'amener là, idéalement. Donc ça va être compliqué de la faire passer là. S'il y a un truc au niveau 2. Ah non, il y a le. Ouais, non, il y a le truc qui me gêne. Ouais, sans bloquer ce truc-là, ça va être compliqué. Est-ce que je pourrais pas changer et ça plutôt le mettre ici en fait? Comme ça, je pourrais le faire passer par-dessus. Tac, tac, tac. Ah bah justement, arrêtez. Hop. Et comme ça, là, on va pouvoir mettre un truc qui redescendra là. Voilà, comme ça on pourra amener ce truc-là mieux ici. Et comme ça je peux passer mon eau comme je veux, tranquille par là. Il n'y aura plus de problème. Donc là on va la faire venir comme ça. Mais là on va la faire venir plutôt comme ça. Au cas où on veuille agrandir ça, on va pas se mettre dessus, donc on va se mettre plutôt à ce niveau-là. Tac, voilà, comme ça, si on aura tout ce qu'il faut, c'est à la limite, on va le construire tout de suite, comme ça sera fait. Hop, on va pas se. On n'aura pas de loupé. Et l'unité, c'est bon, il est reparti à fond. D'ailleurs, on va remettre des eddies alors, parce que autant en profiter. À la limite, on va mettre ça aussi en priorité pour vider le réservoir, et puis après on l'enlèvera, comme ça on ira un peu plus clair. On va essayer d'enlever un peu des réservoirs à droite à gauche, comme ça va nous calmer un peu. Ok. Bon, je sais pas où il essaye d'aller, mais il a toujours pas l'air content. Ah, mais si, c'est parce que là aussi non plus, il n'y a pas vraiment de place pour passer en fait. S'ils arrivent pas à passer là, ils arrivent à passer nulle part en fait. Les gros camions arrivent pas à passer là, j'ai l'impression. Donc faudrait peut-être que j'enlève ça, ou alors on va remettre un autre pont là pour l'instant. Tac, voilà, comme ça ils pourront aller déposer sans problème. Ok, ici bon, on va augmenter un petit peu le recyclage, tiens, ça mangera pas de pain. Et on va essayer d'augmenter un peu la santé, non? Je sais pas s'il y a besoin. Tant qu'on a l'unité, allons-y, comme ça au moins on s'embête pas. Peut-être
peut-être un peu plus robuste à certaines problématiques. Et bon, ouais, on manque un petit peu de fer, mais bon, ça devrait se remplir assez vite, j'imagine. Voilà, là, c'est en train de repartir. Du coup, là-bas, on va peut-être pouvoir réduire un peu le nombre de... Bon, il y a un camion destiné à... Là, il y en a plusieurs, ouais. Donc, on va peut-être pouvoir réduire un petit peu ça. Genre, ok, là, il y a de l'eau, mais c'est pas critique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme eau? Il y en a là, il y en a là. Ok, jusque-là, c'est normal. Et c'est tout, là il n'y a plus besoin, on est d'accord. Tac. Là normalement non plus, on a tout ce qu'il faut. On galère un peu à remplir visiblement, mais bon, c'est pas très grave. On va quand même se stabiliser un petit peu. Ici, donc là c'est bon, on a c'est vidé, donc là je peux. Oui, c'est bon, c'est reparti. Donc tac, ça on relance. Ça, on peut détruire, comme ça on nettoie un petit peu les environs. Voilà. Et là, ça va relancer la production de pain. Hop. Et on est repassé à moins d'une unité d'un coup, très bien. À cause des hôpitaux toujours. Parce que là, ça. Oui, là au moins c'est un peu rempli. Est-ce que tous ces trucs-là ont tourné? Oui, ça c'est bon. Ok, donc ouais, là normalement tous les stocks sont bons. Donc les hôpitaux, c'est vraiment un problème de livraison en fait. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont là. Ouais. Ouais, ce qu'on va faire, c'est que pareil, on va les décaler, on va mettre des warehouses comme ça. Ils seront plus accessibles. Ou alors est-ce que je peux pas. Mettre les warehouses là. Pas foufou. Pour l'instant, on a fini la vapeur haute température. De toute façon, on était parti sur les réacteurs, c'est vrai. Très bien, très bien. On n'a plus grand chose à faire. Je sais pas si on avait encore des choses à explorer ou pas. Oui, un peu. On pourrait. Ah oui, mais on n'avait pas fini. On n'avait pas fini la. Fabrication ici, très bien. Tac, bon ça on s'en fout un peu. Faisons un peu de place. Bon, on va peut-être pouvoir lancer la construction de ce truc alors. En fait. Toute façon, ça risque de mettre un peu 5 ans à se faire, donc allons-y. Et ici, pareil, on va lancer la construction d'une fusée, comme ça on va bien voir un peu ce que ça donne. Je peux quick deliver carrément. Allez, soyons fous, tiens. Hop, on va voir ce que donne la fusée. Je sais pas ce qu'il va en faire, mais on va voir. Bon, oui, le fer là, ça serait bien que ça se remette un petit peu quand même, mine de rien. Hop. Ah, mais parce que c'est à cause de ça que c'est plein. Ok, hop. Et ben oui, allez. Ça, faut que ça soit plus vite, plus rapidement. On a besoin de la place. Là, on va en faire de la pierre du coup, donc ouais, autant la vider le plus vite possible. On a même beaucoup plus de pierre que de fer, hein. C'est pas foufou de miner par là en fait. T'as arrêté assez vite, hein. Est-ce que je peux pas récupérer un peu de fer s'il tient compte du bois? Ouais, ça en a de quoi faire. Donc, hop, allons-y. Toujours ça pour relancer un petit peu la machine. Ah, mais de toute façon, on relancera pas la partie ici. Ouais, c'est juste pour consommer un peu moins celui-là. Pour ça de prix. Histoire qu'on puisse avoir notre acier qui part pas trop en vrille non plus. Quand c'est un gros camion qui arrive, ça fait du bien quand même, parce que ça vide pratiquement un réservoir en entier, quoi.
manque un peu de teraflop. Dieu entre. Hop, voilà, on va relancer ça, comme ça on aura de quoi faire. Bah donc du coup, ouais, là on va repartir explorer, hein, vu qu'on a de la place apparemment. 990, de toute façon normalement je peux pas... Ah mais il me dit que c'est trop loin, ok. Je sais pas bien comment on va pouvoir faire... Bah si, il faudra finir les améliorations, je suis bête. Oui non mais en fait c'était n'importe quoi ce que je fais. Donc non, je reviens en fait, ça sert à rien. Je peux pas l'annuler quand il est parti comme ça? Si, hop, go home, en fait. Je dis des bêtises. Faut finir les upgrades d'abord, sinon ça sert à rien. C'est pas comme si la production de trucs était juste là quoi en plus, mais... Je convise pas les quick deliver du coup. Ce truc là, ça serait quand même plutôt pratique. Donc on annule tout ça. Ici, ok, donc la fusée est prête, elle est fabriquée. Magnifique. Alors pour une petite fusée de test, elle m'a l'air quand même déjà bien mastoc, mais bon, admettons. Donc là, on va voir à quel point on arrive à construire ça. À la limite, ce que je peux me permettre de... Ah oui, mais non, on a besoin d'acier. L'acier, là, dans l'immédiat, c'est pas foufou. On va attendre que la livraison reparte un peu quand même. On va avoir des soucis. Hop, ok, là, on est plutôt pas mal. Préviens-moi, si, préviens-moi, mais quand t'es juste vide, en fait. Voilà. Control Tower, oui, bon, ça, on connaît, merci. On a l'habitude. Que c'est plein quoi. Alors même pas pourtant. Même produit, mais je sais pas ce qu'il arrive. Ok, on a l'air d'arriver au bout du fer, hein. Dans l'autre, on s'y retrouve. Fini comme ça quand même si tu veux, mais hop. Pourquoi c'est mis en 16, une en 15? Mais il est pas censé y avoir plusieurs camions assignés ici? Si, je sais pas où ils sont barrés, mais c'est une mauvaise idée d'aller aussi loin. Pas trop ce qu'il m'a fait. En ce temps-là, le remplissage, ça se passe comment? Ouais, bon, ça commence tranquillou, quoi. À la limite, quand on aura récupéré toute cette place, bon, on pourra peut-être aller faire la révision de la production de fer ici à la place, comme ça on pourra voir un peu si on arrive à s'en sortir. Ce serait une option. Bon, là tout de suite, il nous faut quand même plus de fer que ça. Donc, tracez-vous un peu. Ouais, non, tant pis, hein, je vais creuser dans le tas, on va pas s'embêter avec ça. Ça me paraît pas une bonne idée. Là, moi, le seul truc que je vais avoir, c'est que ouais, il faut que je fasse gaffe à pas trop raboter ici. Donc, on va pas trop creuser, je pense, dans un premier temps, par là. Plutôt se mettre là, hein. Hop, ça on va dire que pour l'instant on veut pas et on préfère que vous creusiez ici. On va mettre une zone un peu plus grande, mais d'abord ici quoi. Là, tu vois, on va se taper encore un petit peu de non-fer, mais avec un peu de chance, ça va pas durer trop longtemps. Et après, on va avoir surtout du fer, ce qui va nous aider quand même pas mal à refaire les stocks. Je vais devoir le mettre en P1 parce que sinon on va pas s'en sortir. Hop, voilà, comme ça faire des allers-retours. Plutôt pas mal. Donc là c'est bon. Il est vide, vide, vide. Oui. Donc on peut... démonter ça. C'est bon, hop, on va construire là comme ça. On ne perd pas de temps.
va bien se passer. On est à des quantités tout à fait raisonnables, donc oui, il n'y a pas de problème de ce point de vue-là. Ça, c'est bon. Pas de problème avec les sorties non plus, tout va bien. On a géré la transition sans aucun problème. High supply of popicides. Eh ben, on va arrêter de faire des popicides du coup. Où quels sont les popicides? Normalement, ils sont toujours là. Mais j'avais pas ce pop-up avant, on est d'accord. Alors j'ai complètement blanc, ouais. Je sais pas comment je me suis démerdé. Soit j'ai complètement ignoré, soit. Soit rien, je pense que j'avais complètement ignoré. Ok, là, on a déjà miné tout ça. Eh bien, il n'a pas perdu de temps. Là, puis là aussi, à la rigueur, on peut commencer à partir par là. Hein. Voilà, faisons déjà tout ça. Et on en reparle après. Et là, comme ça, on va pouvoir prendre la zone la plus grande possible. Hop. Voilà, parfait. Comme ça, on peut l'enlever. Tant pis, on va pas y toucher, ça fait un peu moche, mais au moins c'est fonctionnel. Là, par contre, ouais, non, il manque des morceaux. On est d'accord que c'est complètement dégueulasse comme transition là. Ça ne rend pas bien du tout. Déjà bien. Ok, non, je suis pas dans le bon sens. Ok, c'est pas mal. Ouais, on est pas mal là. Tac. Voilà, comme ça. On devrait avoir un truc un peu plus propre. En même limite, je peux raboter encore une rangée de plus et là me mettre un truc un peu plus direct. Voilà, comme ça. On devrait s'y retrouver à peu près. Ok, donc ouais, alors là on est toujours un peu en galère, mais au moins c'est bon, on a rempli ce truc là, donc c'est pas mal. Normalement, ça veut dire que les prochaines cargaisons devraient aller directement vers l'acier. Et donc ça, c'est plutôt cool. Genre, toi tu vas à l'acier, on est d'accord. Oui, ok, donc ça devrait repartir. Très bien, et là on a passé en plus le gros du minage, donc on est plutôt pas mal. Du coup, bon, on va pouvoir s'arrêter là pour cette fois-ci. Avec un peu de chance, dans le prochain épisode, on pourra avancer sur la fusée, et comme ça. On va voir un peu ce que ça va nous débloquer. Ça, et avancer un peu les dernières recherches. Comme ça, on aura vraiment plié le late game du jeu. En attendant, comme d'hab, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Salut, salut!